n'arrive pas à battre ses fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Irgendwas ist... Muss jemand sein? Kann nicht sein. Miserable Laune. Solange er mich nicht anbrüllt. Auf mein Gott! Ist so. Verschwinde! C'est parti! Fini la discrétion! J'espère que ça sortira. Ah!
Rien à craindre de vous maintenant. Thank you.
Ce qu'on vaut. Ils sont là. Vous les voyez? Là-bas. Je les vois. Unissez vos forces. Par ici. Je les sais pas leur la coincer. Je veux là-bas. Se débarrasser de ces canons. Ah!
fort. Sois courageux. Vous avez. On doit l'ouvrir. Coute que coute. Poussez-toi. Merde, l'ennemi est là. Allons-y. On va les avoir. Éliminez-les. Allez, à l'attaque. On y va. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa!
égal d'Idrissa. Nous sommes des rois. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.